Chères sœurs, chers jeunes, chers frères salésiens de Don Bosco et tous les membres de la famille salésienne, chères collaboratrices et collaborateurs de nos missions éducatives, chers amis et vous tous bienfaiteurs qui soutenez nos missions. Notre Institut de filles de Marie auxiliatrice est dans sa dernière phase de la célébration de 150 ans d'existence, 1872-2022. Un siècle et demi au service de la jeunesse, surtout celle la plus démunie. Nous adressons notre gratitude à Dieu pour le don du charisme salésien. Nos saints fondateurs, Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello, ont reçu de Dieu le charisme et ils ont su le vivre et le communiquer à Valdocco et à Mornaise et dans le monde entier. Les cœurs du charisme au sein de l'Église continuent de battre pour donner vie et soutenir la vie de tant de jeunes filles comme garçons dans le Saint-Continent à travers diverses œuvres éducatives, écoles, centres professionnels, foyers d'accueil des filles en difficulté, internats de filles, l'oratoire et centres de jeunes, instituts supérieurs, accompagnement des enfants et jeunes dans les divers mouvements, catéchèses, etc. Filles de l'Église et monument vivant de la reconnaissance à Marie auxiliatrice depuis plus de 6 siècles, nous sommes au service de l'Église dans l'éducation intégrale des enfants et des jeunes pour qu'ils aient la vie en abondance, et qu'ils deviennent, comme Don Bosco l'a voulu, bons chrétiens et honnêtes citoyens. Notre reconnaissance va à toutes les mères générales, passées et actuelles, et leurs conseils. Nous pensons également à la multitude des sœurs, des jeunes, des collaborateurs et collaboratrices qui ont œuvré et qui du ciel nous soutiennent dans cet immense champ d'évangélisation et de promotions humaines. Notre province, Mère de Dieu, de l'Afrique de l'Ouest, une part significative de l'Institut est signe d'espérance pour les familles, les enfants et jeunes dans le sept pays. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo et le Nigeria. Notre présence et notre action éducative cherchent à accompagner les jeunes et leur montrer les visages du Christ bon pasteur. Dans cette portion de l'Afrique de l'Ouest, 84 sœurs œuvrent chaque jour pour le bien des enfants et jeunes en particulier, celles et ceux qui ont besoin de notre appui. La situation pandémique du coronavirus rend la vie de nos jeunes et des familles très précaires. Mais nous sommes à leur côté avec la prière et l'engagement dans une éducation de qualité. Un sincère merci à toutes nos premières sœurs missionnaires qui, par amour du charisme, ont quitté leur pays pour porter le charisme salésien en Afrique. Merci aux populations d'Afrique de l'Ouest, à la jeunesse africaine pour l'accueil chaleureux de nos sœurs missionnaires
qui ont foulé la terre africaine en 1982. Notre jeune province a reçu le grain du charisme. Cette jeune plante que le charisme est en croissance. Nous nous réjouissons de la première sœur africaine missionnaire, affaiblie merci, et nous prions pour que tant de filles sentent l'appel du Seigneur et y répondent avec générosité. Toi, jeune fille, si tu sens dans ton cœur l'appel du Seigneur, n'aie pas peur de dire « Oui, Seigneur, me voici ». La Vierge Marie sera ta compagne de route et nous sommes là pour t'accompagner. J'adresse ma reconnaissance à tous les jeunes de nos missions et ceux que nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre. Votre présence donne sens à notre mission et à notre vie religieuse et salésienne. Nous désirons être à vos côtés comme Marie à Cana, dans un monde complexe et qui connaît de grands et profonds changements. Des auxiliatrices, à travers une présence effective, joyeuse, courageuse, une présence qui voit, qui prie et qui agit concrètement pour que le vin de la joie ne vous manque pas. Chers frères salésiens, merci pour votre présence fraternelle et pour les multitudes de services que vous nous rendez à nos communautés. Nous sommes famille. J'ai toujours eu besoin de tous, disait Don Bosco. Merci à chaque membre de la famille salésienne. Salésienne coopératrice et salésien coopérateur, membre de l'Association des dévots de Marie Auxiliatrice, ADMA, aux volontaires de Don Bosco, aux divers mouvements d'enfants et jeunes qui vivent la spiritualité salésienne. Comme province et en communion avec l'Institut, nous vivrons des moments particuliers. L'équipe de la pastorale nous propose un itinéraire intitulé « Montons à Valponasca ». Cet itinéraire nous permettra de redécouvrir l'immense richesse de la vie et de la spiritualité de Sainte Marie-Dominique Mazzarello à travers une vidéo sur Valponasca. Le second lieu où la famille de Marie-Dominique a vécu après le vol dans la maisonnette de Mornaise. Ce chemin de synodalité impliquera les communautés éducatives à travers le marathon de la joie avec des moments de prière, des concours de chants, les challenges danses et d'autres initiatives. Merci à Sœur Marie-Claire Moncoro et toute l'équipe de la pastorale en collaboration avec l'équipe de la communication. Nous disons aussi merci à Sœur Pascaline Afonio. Je remercie chacune des communautés éducatives pour l'accueil qui sera réservé à cet itinéraire, pour qu'ensemble, nous puissions vivre cette année spéciale des 150 ans d'existence de notre institut. Nous aurons à valoriser l'hymne que l'institut a réalisé à cette belle occasion.
C'est l'occasion de valoriser également les hymnes de la province dans la célébration de 150 ans. Cette grande fête de famille aura son apothéose le 5 août 2022 avec le premier profession religieuse. J'adresse ma gratitude à chaque sœur pour le oui quotidien et pour le don généreux. Je prie pour que, comme nos fondateurs, Saint Jean Bosco et Sainte Marie Dominique, nous puissions continuer à vivre de manière authentique le charisme salésien comme fille de Marie auxiliatrice et le rendre toujours plus vivant et dynamique. Merci à chacun de vous. Avec cette introduction, nous ouvrons les activités marquant les festivités de ce grand jubilé de 150 ans. Ensemble pour les 150 ans, montons à Valponasca, le petit village avec ses panoramas splendides de vignes, un lieu de paix et de sainteté. Merci pour votre attention. Bonne préparation et bonne fête à vous tous. En la fe, colmados de alegría, dando lo mejor, poniendo el corazón, abriendo bien los ojos, tendiendo nuestras manos, queremos ser signos de amor. Es nuestra misión, los jóvenes esperan tanto por hacer, hay tanto que soñar, mirando hacia el futuro. Madre Mazzarello, es tiempo para celebrar. 150 aniversario, oh, oh, oh. 150 aniversario, oh, oh, oh. Caminando con María, siempre y siempre dando vida y enseñando y nuestro cor. 150 aniversario, oh, oh, oh. 150 aniversario, oh, oh, oh. Caminando con María, vamos juntos dando vida y entregando el corazón. Bien de Joan, Fernand la foi, le Jonathan, tanta fe, abandonant que tout le monde, c'est notre mission. Un vêtre d'amour. Manos a mis ojos, los jóvenes espero. Cuanto por hacer, atento que soñar. Con mamá y Mazzarello, oleando para el futuro. Es tiempo para celebrar. Join us our jubilation. Join us our jubilation, oh, oh, oh. Our holy mother Mary, come with us and bless her way. 150 years. Aniversario, oh, 150